Je me demande combien il y a de morts dans cette pièce. Ok. Ça date d'un moment. Quand même, vaut mieux faire gaffe. Faut que je remette le courant. Bon sang. T'as grillé? C'était pas ton truc, l'électricité. C'est bon.
C'est quoi ça? Nickel. T'aurais plu de regarder un film ici. Flippant. J'y crois pas. Ça donnait quelque chose. Oh, je suis nulle. Mais non. Faut juste que la corne se fasse, c'est tout. Ouais. Allez, tu viens? On y est? Ouais. Oh, putain. Allez, j'essaie de deviner. Quoi? Tu veux gâcher la surprise? Je sais pas. Est-ce que c'est un dinosaure? Pas la peine de te fatiguer, je dirais rien. On verra. Est-ce que c'est un éléphant? Est-ce que c'est un cabriolet? Tu devineras jamais. Est-ce que c'est un chiot?
Est-ce que c'est un paquet de chatons ? Avance, au lieu de parler. Fais attention. T'inquiète. Hop. Mais t'es malade ou quoi ? Si seulement tu pouvais voir ta tête. Je pourrais me noyer. Mais non, tu vas pas te noyer. T'es pas aussi empoté que tu le crois, tu sais. C'est ça, marre-toi, l'ancêtre. Je t'aurai la prochaine fois. C'est par là. Je te déteste. Tu nages de mieux en mieux. N'oublie pas, le but c'est pas de s'agiter dans tous les sens, mais repousser l'eau avec le bras entier. Bla bla bla. Je suis content de voir que tu m'écoutes. Ellie, viens là, regarde un peu ça. Tu vois le cerf là-bas ? Où ça ? Tu le vois, juste là, regarde. Ouais, je le vois. Ouais. On dirait... Alors, ça fait quoi ? Ça rafraîchit. Ouais, c'est pas cool de se faire pousser, hein ? Eh ben... En fait, il fallait qu'on fasse cette partie du chemin à la nage. Je me suis vengé. T'es super énervé. Ouais, t'as raison, je suis super énervé. Allez, viens. Ah. On va devoir passer là-dessous. Inspire à fond. Ouais, pas de problème. Est-ce que c'est... mon prof d'histoire de sixième qui s'excuse d'être un gros con ? Je te demande pardon ? Moi et une copine, ils nous énervaient quand ils traitaient les lucioles de terroristes. On finissait tout le temps en col. Tu sais, tu devrais arrêter de t'énerver pour un oui ou pour un non. Je supporte pas les cons. Prends sur toi. Il faut encore plonger ici. Où est-ce que tu m'emmènes ? De basket. Parce que t'en as pas assez comme ça. Sûrement pas. Viens là. Ok. Ça me saoule, j'arrête de deviner. Ah, enfin. Mais, bon, est-ce que c'est une énorme collection de BD ? Non. Attends. Une collection de DVD ? Oui. J'y crois pas, Joël. On y est. C'est vraiment un dinosaure ! Tu l'as dit. Joël ! Surprise. Je le crois pas. Putain, c'est un dinosaure ! Le roi ? Des lézards tyrans. Il est énorme. Muséum d'histoire naturelle du Wyoming. Comment t'as trouvé cet endroit ? Maria, c'est elle qui m'en a parlé.
Je me suis dit que ça te plairait. T'avais raison. C'est quoi ? C'est un livre. Un livre sur les dinosaures. Ok. D'accord. Waouh, génial. Tu veux l'essayer ? Pas du tout. Comme tu veux. Oh, regarde-moi ces griffes. Ça, c'est un vélociraptor. En fait, c'est un déno... Deinonychus. Non, je crois bien que c'est des vélociraptors. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'ils s'appelaient, dans le film que j'ai vu. Combsoniatus. Drôle de nom pour de ces petits trucs. Ouais, il grouillait. Ça aussi, tu l'as vu dans un film ? Eh bah ouais, mais pas dans le même. En fait, ils ont fait une suite. C'était moins bien. Joël, regarde. Ça, c'est un dinosaure avec un chapeau. Oui, c'est un chapeau-zore. Oh, le cerveau de celui-là faisait la taille d'une noix. Ah, c'est vrai. Mais alors, ça vous fait un point commun. Oh, très drôle. Triceratops. Oh. Enfin que je reconnais. Le brachiosaure mangeait 300 kilos de plantes par jour. Ouh, imagine les crottes. Il y avait une scène où, en fait, un des personnages dit « C'est vraiment un gros tas de merde ». C'est quoi ce film et quand est-ce qu'on le regarde ? Tu sais quoi ? Quand on rentre à Jackson, soirée film. Le nom Gallimimus signifie « qui imite la poule ». Qui trouve ces noms ? Les scientifiques. Bah, ils sont nuls. Le Dimétrodon était un super prédateur. C'est quoi un super prédateur ? C'est un prédateur qui déchire. Plutôt court sur pattes. C'est pas la taille qui compte. C'est vraiment indispensable. J'espère qu'elle va pas tous les faire. Hey, Joël. Ellie. Interdiction de l'enlever. Mon anniversaire, mes règles. Ouais. Triceratops signifie « tête à trois cornes ». T'avais pas intérêt à te retrouver en face de ce gars-là.
Oh, cool. Qu'est-ce que t'as trouvé? Ces cartes de super-héros. Je crois que c'était à la mode avant. Je crois que Sarah a fait la collection pendant un temps. Mais je confonds peut-être avec les petites bestioles, là. Je sais plus. Vélociraptor. Joël, c'est celui dont tu parlais, le Vélociraptor. Il est tout petit. Rien à voir avec celui du film. Regarde l'épaisseur de son crâne à lui. Il ressemble un peu à Tommy. Je lui dirais que t'as dit ça. Non, pitié. Sous le bon angle, c'est Tommy, tout craché. Wow, celui-là ressemble à un oiseau. Eh ben, en fait, les paléontologues pensaient que les oiseaux descendaient des dinosaures. Oh, pardon, monsieur le professeur. Qu'est-ce que tu crois? Je sais des choses. Grâce à un film. Continue. T'allais souvent au musée? Ouais. Ouais, Sarah était fan. Elle a dû me traîner dans absolument tous les musées du Texas. On dirait une girafe. Ouais, je trouve aussi. Je reconnais que c'est drôle. Tu vois? Oh, tu savais qu'il y avait ça? Ah, ça te plaît pas. Non, on peut partir. T'es bête. Hé, Joël, quel a été le premier animal à être allé dans l'espace? Ah bah ça, je sais, c'était un singe. Non, des mouches. Ouais, en 1947. C'était pour tester la résistance aux radiations à très haute altitude. Et elles ont survécu. La vache, t'es plutôt futé. Merci. Et ça les a transformées en super mouches? Quoi? Non. Waouh. T'en as d'autres, des infos marrantes? D'après les astronautes, la Lune sent la poudre à canon. Ah oui, ça, c'est marrant. Mais, attends. Comment ils ont... Je suppose qu'ils ont ramené des échantillons de roches. Et qu'ils les ont sentis après.
Ok. Et maintenant? À toi de me le dire. T'as qu'à me poser des questions? J'en sais rien. Qui a été le premier homme dans l'espace? Ah, oh, facile. Yuri Gagarin. Gagarin, tu veux dire? Gagarin? Je sais pas comment on le prononce, je l'ai seulement lu. Enfin bref, il a décollé le 12 avril 1961. Eh ben, tu m'impressionnes. T'as lu combien de bouquins là-dessus, au juste? Attends, Joël, tu trouves pas ça dingue? J'aimerais bien savoir ce qui te fascine à ce point. Je sais pas. Les gens de ton époque, ils avaient une vie facile. Tout est relatif, mais bon, admettons. Je veux dire, ils étaient pas obligés d'aller dans l'espace, et pourtant ils l'ont fait. C'était... couillu. Couillu. Ok, d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Eh, tu savais que les boucliers thermiques des navettes spatiales étaient à base de sable? J'en savais rien. Je pensais que c'était un genre de caoutchouc épais. Non, juste du sable. Y'a pas de quoi. Encore une? Vas-y. Les astronautes boivent leur propre urine. Elle est filtrée. Mais bon, quand même. Je suppose qu'ils devaient faire avec les moyens du bord. Ouais, j'imagine que c'est moins marrant comme info. Y'a quoi par là? Eh, ne pars pas tout de suite. On n'a pas encore fini d'explorer. Ah, bon, d'accord. Trop génial. Il est où le volant? Les rovers ont pas de volant. Il y a des manettes. Ah. Attends, c'est le vrai rover? Ils ont laissé les vrais sur la Lune, alors je dirais que non. Trop cool. Ça pue pas trop là-dedans? Ça sent l'espace. Et la crasse. Après toi. Attention à la tête. C'est dingue. Ok. Waouh. Regarde un peu tous ces boutons. Trop
T'imagines le truc? Bon anniversaire, Ellie. C'est quoi ça? Ça, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Prends-la. Ferme les yeux. Tu vas voir, ça vaut le coup. Ok. T'as aimé ton cadeau? J'ai adoré, putain. Eh ben, tant mieux. Bon, qu'est-ce que tu dirais d'aller explorer le coin? Ouais, ok. Allez. Attends. Le musée continue par ici. Je suis jamais allé dans ce bâtiment. On y va alors. Et tu peux m'expliquer comment tu comptes y aller, hein? Allez! Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Allez, viens! Non! Eh, c'est mon anniversaire, je te rappelle. Arrête un peu ces conneries. Vas-y, et je veux que ça éclabousse. On a plein d'autres endroits à explorer. Geronimo! Génial.
plaît, fais-moi entrer. Je sais pas. Je t'ouvrirai la porte. On peut pas abandonner maintenant. Allez. Vas-y. Bon, mauvaise nouvelle. Il y a un truc qui bloque la porte. Bah, essaye de nous trouver un autre accès. Je fais le tour du bâtiment. Ok, fais gaffe. Toi, fais gaffe. Il y a des dinosaures dans le coin. Oh, garde le moral, mon vieux. En voilà un qui en manque de câlin. Il fait sombre ici. Putain d'animaux en toc. Je suis là. C'était quoi, ça? Rien, c'était juste un animal. Allez, on se bouge. Je voudrais faire un feu avant qu'il fasse trop sombre.